Alors on pourrait penser que la théologie est une affaire de gens calmes et réfléchis, laissant peu de place aux émotions. Nos différences théologiques seraient donc dues principalement aux limites de notre raison, erreurs de raisonnement, distance qui nous sépare des auteurs bibliques, précompréhension des textes que nous projetons sur le texte biblique, biais culturels et personnels qui influencent aussi et qui colorent notre interprétation du texte. Alors ce serait, à mon avis, mal comprendre la nature de la théologie qui touche les questions les plus fondamentales que se pose l'être humain et fait appel aux sentiments les plus profonds, comme la culpabilité, la crainte, la joie, la paix. Je pense que toute la gamme des émotions sont concernées. Nous allons donc, comme Yannick vient de le dire, nous efforcer de voir comment les émotions et plus largement les facteurs non rationnels interviennent dans la production des convictions théologiques et des désaccords qui souvent vont en résulter, mais aussi quel rôle, j'espère qu'on aura le temps, jouent les émotions dans la gestion de ces désaccords. Alors tout d'abord, et je pense qu'on va utiliser la zapette. Il va falloir que lancer la première diapo et puis après, normalement, ça devrait suivre. Voilà. Tout d'abord, le rôle des émotions dans la production des désaccords doctrinaux. C'est bien connu, le cerveau est composé de deux hémisphères qui traitent de manière différente l'information reçue. L'hémisphère gauche joue un rôle dans la logique et la pensée verbale, alors que l'hémisphère droit est associé à la créativité, à l'imagination, aux émotions et à la pensée holistique. Nous devrions tenir compte des deux lorsque nous essayons de comprendre comment naissent les désaccords doctrinaux. Nous allons voir deux manières de comprendre l'être humain, l'une qui donne la primauté à la raison et l'autre qui donne la primauté aux émotions. C'est Erwan qui nous a parlé hier soir d'idole et de contre-idole, comment dans une culture comme la nôtre, on a tendance à passer de l'une à l'autre. Eh bien, c'est exactement en fait ce que j'ai découvert en creusant un peu ces questions. Mais bien sûr, nous verrons dans un deuxième temps la place que donne la parole de Dieu aux émotions dans la production des jugements doctrinaux et moraux, puisque c'est la parole de Dieu qui devrait toujours avoir le dernier mot. Et c'est ce qui va caractériser notre conduite en tant que chrétien. Alors tout d'abord, la primauté de la raison. Vous reconnaissez peut-être l'image du char développée par Platon. Une partie importante de la tradition philosophique occidentale a surtout compris la personne humaine comme un être rationnel, l'esprit immatériel exerçant idéalement son contrôle sur le corps et sur les passions. Les émotions sont donc secondaires et devraient être soumises à la raison. Platon était conscient de la tension qui existait entre la raison et les passions. Il suffit d'observer l'être humain pour s'en rendre compte assez rapidement, comme le montre sa célèbre métaphore du char tiré par deux chevaux très différents. Un cheval blanc qui représente les meilleures qualités de l'âme, l'amour, la vérité, la sagesse, la juste colère. Et un cheval noir qui représente les passions et les désirs irrationnels. Le conducteur du char, qui représente la raison, a la tâche difficile d'essayer de diriger ses chevaux qui tirent dans des directions opposées. C'est l'apôtre Paul aussi qui parle des désirs de la chair et des désirs de l'esprit qui sont opposés les uns aux autres. Seuls ceux qui réussissent dans cette tâche compliquée, grâce à une éducation rigoureuse, sont aptes à gouverner la République idéale de Platon. Comme Platon, le philosophe français René Descartes donne la primauté à la raison. Je pense, donc je suis, qui est l'instrument permettant d'accéder à des vérités indubitables, selon lui. Bien qu'il reconnaisse l'existence des passions et des émotions, il les considère comme trompeuses et des obstacles à une pensée claire. Il soutient que la raison a le pouvoir de modérer
et de contrôler ses passions. Platon, comme Descartes, sous-estime le rôle des émotions dans la production des opinions et des divergences qui peuvent en résulter. C'est pourquoi nous allons passer à notre deuxième point, une autre... Voilà, je crois qu'on aura besoin d'avoir quelqu'un qui... La primauté des émotions. Alors ici, je m'appuie sur les écrits d'un psychologue social qui s'appelle Jonathan Haidt, qui estime que les facteurs non rationnels, à savoir l'intuition, la préférence personnelle et le besoin de conformité sociale, jouent un rôle plus important dans la formation des croyances morales que ne le pensent Platon et Descartes. Alors bien que Haidt soit athée et évolutionniste, pardonnez-moi, les principes qu'il développe, je les trouve intéressants et ils peuvent s'appliquer, me semble-t-il, au domaine théologique et plus particulièrement à nos désaccords doctrinaux. Donc voyons donc de plus près ces trois facteurs qui sont étroitement liés à nos émotions. Alors le premier facteur non rationnel développé par Haidt, voilà, c'est l'intuition. Les intuitions, dit-il, je pense que c'est la prochaine diapositive, viennent en premier, le raisonnement stratégique en second, contrairement à ce que l'on aurait spontanément tendance à penser. Il utilise lui aussi une métaphore, pas celle du char, mais celle de l'éléphant et du cavalier pour illustrer ce premier principe. L'éléphant représente les intuitions émotionnelles et automatiques. Le cavalier représente la raison. Le cavalier aimerait bien guider l'éléphant dans la direction souhaitée. Mais l'éléphant est puissant, il est fort et il est difficile à contrôler. Les intuitions et les émotions ont souvent le dessus, en réalité, sur la raison. Le raisonnement moral conscient sert souvent à justifier ce que nous croyons déjà de manière intuitive. La raison fonctionne alors, dit-il, plus comme un avocat défendant son client qu'à un juge ou un scientifique recherchant objectivement la vérité. Alors on observe cela en politique. Lorsque des chrétiens soutiennent aveuglément leur candidat préféré et justifient son comportement et ses idées, même lorsque ceux-ci sont en contradiction avec leurs convictions morales. On observe cela aussi en théologie. Les gens n'adhèrent généralement pas à une doctrine après avoir lu un traité sur le sujet, tant pis pour les théologiens qui écrivent, mais après avoir entendu quelqu'un partager avec passion comment cette doctrine avait changé sa compréhension de la vie chrétienne. Dans un article publié en 2006 dans Christianity Today, Colin Hansen note que le regain d'intérêt pour la sotériologie calviniste au sein de la génération Y, alors ce sont les jeunes qui ont entre 30 et 45 ans, d'ailleurs je pense qu'ils sont représentés parmi nous, ils se reconnaîtront, eh bien ces gens-là, ce regain d'intérêt n'a pas été suscité par des arguments exégétiques découverts dans un manuel, mais par des prédicateurs comme John Piper, Tim Keller, R.C. Sproul, qui faisaient appel aux émotions de leurs auditeurs, tout en développant une théologie très cohérente, bien sûr. Comme le dit Haidt, si vous voulez amener quelqu'un à changer d'avis sur une question morale ou politique, mais on pourrait ajouter sur une question théologique, parlez d'abord à l'éléphant, c'est-à-dire aux émotions. Et il faut dire que certains de nos amis charismatiques, pentecôtistes, le font beaucoup mieux que nous, les prédicateurs réformés. Et on devrait s'inspirer un peu de leur exemple, au moins en partie, sans pour autant parler en langue pour faire plaisir à Pierre Berthoud. Alors c'est aussi ce que dit la rhétorique classique, ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau, on l'observe depuis la nuit des temps, avec le concept de pathos en rhétorique grecque, qui est l'aspect émotionnel de la persuasion. Il y a le logos, qui est très important, les arguments que je développe, il y a l'éthos, un comportement en cohérence avec ma compréhension des choses, mais il y a aussi le pathos, si souvent négligé par les prédicateurs,
et qui a aussi son rôle à jouer dans le travail de la perte de persuasion. Et je pense qu'on en a eu hier un exemple avec Alex, hein, le mode rhétorique, le mode prédication homilétique, c'est un mode où on est normalement passionné, les émotions sont touchées par ce que l'on est en train de présenter, et parfois le prédicateur est même au bord des larmes lorsqu'il se met à parler de l'Évangile et de ce que la croix a produit dans la vie des chrétiens. Et je serais déçu que ce ne soit pas le cas, hein, que les prédicateurs puissent se présenter froidement l'Évangile sans que cela ne touche leurs émotions. Et quand cela touche leurs émotions, cela va aussi toucher les émotions de leurs auditeurs et ça va les aider à adhérer aux vérités somptueuses qui leur sont présentées. Vous aurez d'ailleurs remarqué que même en mode conférence, on peut aussi faire appel à ses émotions. Je pense que James Eli Hutchinson était assez, on le sent, hein, c'est quelqu'un qui est convaincu et qui est persuasif. On sent qu'il croit ce qu'il dit, il est très convaincu. Et donc il y a un aspect de pathos aussi, on le sent aussi dans ses livres. C'est quelqu'un qui ne néglige pas cet aspect de la rhétorique, de la communication. Alors le deuxième facteur non rationnel, ce sont les préférences personnelles qui, elles aussi, jouent un rôle important. Alors je vais faire aux étudiants un test MBTI pour les aider à prendre conscience du rôle de leur type de personnalité dans la manière aussi de gérer les relations, de prendre leurs décisions, etc. On est un peu dans ce sujet ici. En tant que chrétien, beaucoup de nos choix sont liés à des préférences personnelles qui n'ont rien à voir avec la théologie. Sylvie fréquente une église réformée parce qu'elle a un style d'apprentissage cognitif et qu'elle y trouve, bien sûr, un bon enseignement. Hervé a choisi une église charismatique parce qu'il a un style d'apprentissage plutôt affectif et qu'il trouve les autres évangéliques beaucoup trop froides dans leur manière de présenter les choses. Jeanne est devenue luthérienne ou anglicane parce que la beauté de la liturgie répondait parfaitement à son sens esthétique. Il n'y a pas beaucoup de théologie là-dedans, hein. C'est juste affaire de préférence personnelle, même si dans un deuxième temps, on va aussi quand même réfléchir de manière un peu plus théologique. Se pourrait-il que nos préférences personnelles, nos goûts, jouent également un rôle dans nos choix moraux et doctrinaux? Et c'est ce que pense Haidt. Selon lui, il existe 6 récepteurs moraux partagés par toutes les cultures: le souci des autres, l'équité, la liberté, la loyauté, l'autorité et la pureté. On partage tous ces 6 récepteurs moraux à des degrés divers. Parce que ces récepteurs sont de sensibilité variable selon les groupes, ils peuvent produire des valeurs différentes dans les domaines politiques, morales et religieux. Ces valeurs se forment rapidement et intuitivement en réponse à diverses situations, et les raisonnements sont souvent utilisés pour justifier ou rationaliser ces intuitions après coup. Dans le domaine politique, par exemple, les gens de gauche sont plus sensibles à l'équité et à la liberté, alors que les gens de droite sont plus sensibles à l'autorité et à la pureté. On pourrait en dire autant des protestants libéraux et des protestants évangéliques, même si on peut reprocher aux premiers, les libéraux, d'avoir bien sûr une idée erronée, non biblique, de l'équité et de la liberté. Mais malgré tout, on peut observer qu'ils sont très sensibles, hein, à la liberté et à l'équité, peut-être beaucoup plus que certains évangéliques. Alors bien que le modèle néo-darwinien de Haidt soit discutable, sa notion de récepteurs moraux innés rejoint l'idée biblique de conscience, développée par l'apôtre Paul au chapitre 2 de son épître aux Romains. Celle-ci n'est pas suffisante pour accéder au salut, mais elle permet à tout homme de distinguer entre le bien et le mal, quoique imparfaitement depuis la chute. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole, une révélation spéciale de sa volonté et de son projet rédempteur. Bien que les récepteurs moraux des chrétiens soient éclairés par cette révélation spéciale et par le Saint-Esprit, certaines préférences naturelles demeurent qui peuvent donner lieu à des accentuations différentes dans leur spiritualité. Richard Foster distingue ainsi 6 courants qui traversent le christianisme: le courant doctrinal, le courant charismatique, le courant social, sacramentel, contemplatif, le courant de sainteté.
Se pourrait-il que nos récepteurs spirituels de sensibilité variable nous poussent vers un courant particulier sans même que nous en soyons conscients? Probablement, bien que les frontières entre les différents courants ne soient pas étanches et que nous devrions, à la lumière de la parole de Dieu, nous approprier les forces de chacun de ces courants. C'est la parole de Dieu et non nos préférences naturelles qui devraient toujours avoir le dernier mot. Mais ça va souvent demander un long processus que l'apôtre Paul prend en compte au chapitre 14 de son épître aux Romains et qui justifie le fait qu'on doit à peu près faire de patience à l'égard des plus faibles. Alors le troisième facteur non rationnel qui intervient dans la formation des accords doctrinaux, c'est le besoin de conformité sociale. Alors c'est important de le rappeler à une époque marquée par l'individualisme. Tu es choquée, Annie, par la photo des moutons? Le mouton de Panurge. Lorsque les gens font un choix intuitif fondé sur leur récepteur, ils s'attachent le plus souvent à un groupe d'individus qui pensent exactement la même chose. C'est assez compréhensible, c'est assez naturel. Haït parle de tribus ou de ruches. Ils partagent alors le même récit moral, politique ou doctrinal, ce qui les rend difficilement réceptifs à d'autres explications. Ils s'enferment en quelque sorte dans leur ruche. En raison de sa sensibilité à la liberté et à l'équité, Valérie a adopté des idées féministes. Elle rejoint une association qui partage ses valeurs et milite de manière parfois agressive. Elle se radicalise et a de plus en plus de mal à prêter aux hommes de bonnes intentions. Ce qui fait que moi-même, je suis souvent intimidé devant Valérie parce qu'elle me regarde de travers alors que je n'ai rien contre les femmes. Tout argument contraire à ces valeurs avancé par des groupes plus modérés est d'emblée considéré comme suspect. Ça, c'est un phénomène que l'on observe en permanence. Alors, j'ajoute qu'on pourrait en dire autant de quelqu'un qui aurait adopté des idées masculinistes provenant davantage des westerns hollywoodiens, John Wayne, des années 50, que de la Bible. On a le phénomène dans les deux sens en réalité. Donc, il ne s'agit pas de pointer du doigt tel ou tel groupe, mais les excès qui peuvent se produire dans n'importe quel camp. Personne n'est à l'abri. Lorsqu'un conflit implique deux groupes, il est très difficile pour un groupe de considérer objectivement les intérêts de l'autre groupe. C'est ce qui rend les relations si compliquées. Les relations s'enveniment, les positions se crispent et le dialogue est rapidement rompu. Alors dans le conflit israélo-palestinien, dont nous entendons beaucoup parler en ce moment, il est plus facile d'être objectif lorsqu'on est un observateur extérieur que lorsqu'on a été personnellement touché par la guerre, que ce soit en tant qu'Israélien ou en tant que Palestinien. Chacun se sent solidaire de son propre peuple et a tendance à défendre sa cause de manière biaisée. De même, il est difficile pour un sioniste chrétien de considérer de manière équitable les intérêts des deux parties. Ses convictions eschatologiques à propos d'Israël le poussent à défendre Israël de manière inconditionnelle, au détriment du droit international ou des lois bibliques en faveur des pauvres et des étrangers. Les réseaux sociaux accentuent bien sûr ce phénomène de polarisation en nous enfermant, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc., en nous enfermant dans des ruches virtuelles, peut-être les plus dangereuses, hein, ces ruches virtuelles, où ne circulent que des messages qui nous confortent dans nos propres idées au gré des algorithmes élaborés par les créateurs de ces réseaux, qui décrédibilisent nos adversaires, souvent sans aucun souci de vérification. On accorde une confiance aveugle aux idées qui viennent de notre propre groupe. C'est ainsi que prospèrent les thèses complotistes, les plus fantaisistes. Comment ça peut exister? Comment est-ce qu'on peut adhérer à des idées aussi farfelues? Eh bien parce qu'on s'enferme dans une ruche virtuelle. La Terre est plate, par exemple. Alors bien sûr, en tant que chrétien, nous ne voulons donner la primauté ni à la raison qui a été affectée par le péché, ni aux émotions qui, elles aussi, ont été affectées par le péché, mais donner la parole, la primauté à la parole de Dieu,
que nous pouvons recevoir et comprendre grâce au travail du Saint-Esprit. Alors désolé pour cette illustration un peu tendancieuse, mais je n'en ai pas trouvé d'autre, sinon c'est trop ridicule. Adam et Ève. L'être humain a été créé avec des émotions. Bien que Genèse 2 ne décrive pas avec précision les émotions humaines avant la chute, j'imagine assez bien qu'Adam éprouva de la tristesse quand il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Et tressaillit de joie, au contraire, quand il aperçut Ève et dit « Cette fois-ci, celle-ci, os de mes os et chair de ma chair. » Celle-ci, os de mes os et chair de ma chair. Non, il tressaillit de joie, il était super heureux que sa meilleure moitié, il n'avait pas tellement de choix, mais soit devant lui. Les émotions jouent également un rôle au moment de la chute. Alors, dans un contexte de confusion doctrinale, qui rejoint un peu notre sujet, Dieu a-t-il réellement dit « Laisse entendre le serpent » et « Si Ève mange du fruit de l'arbre, ce n'est pas seulement parce qu'elle adhère intellectuellement au message subtil du serpent, c'est aussi parce que son intuition la pousse dans la même direction. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner discernement. Elle n'a pas fait tout un parcours théologique pour arriver à cette conclusion. Comment sait-elle qu'il est propre à donner du discernement, si ce n'est de manière intuitive ? On connaît cette intuition féminine qui a des bons côtés, mais parfois ça peut aussi les induire en erreur, et c'est pareil pour les hommes. Bien de même, les sentiments d'Adam pour la chair de sa chair ont dû jouer un rôle dans son absence de résistance. Il aimait tellement sa femme, et bien qu'il était prêt à la suivre de manière inconditionnelle, même si son hémisphère gauche lui disait que là, il y a quand même un problème. Mais c'est l'hémisphère droit qui l'a emporté. Les émotions, comme la raison, peuvent donc contribuer, dans notre monde déchu, à produire des désaccords doctrinaux ou de quelque autre nature dans les églises. C'est souvent d'ailleurs des désaccords de personnalité, de toute autre nature que simplement doctrinaux, parce qu'elles ne sont pas fiables, ces émotions. Elles peuvent très facilement nous induire en erreur, nous égarer complètement. C'est pourquoi nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement non seulement de notre intelligence, mais aussi de nos émotions, de manière à ce que la primauté soit donnée non à la raison ni à l'intuition, mais toujours à la parole de Dieu. Il me reste un quart d'heure pour traiter la deuxième partie de mon intervention. Donc ce sera le point B, le rôle des émotions, donc non plus dans la production des désaccords doctrinaux, mais une fois qu'ils sont là, ces désaccords, comment est-ce qu'on va les gérer et quel est le rôle que jouent les émotions, très important dans la gestion de ces désaccords. Nous allons voir quelle est la place des émotions dans le processus de gestion d'un désaccord, quelques exemples d'émotions pouvant conduire à des actions positives ou négatives, et comment agir concrètement sur ces émotions pour gérer un désaccord de manière constructive, si possible. Alors tout d'abord, la place des émotions dans le processus de gestion d'un désaccord doctrinal, moi ça m'aide d'observer ou de considérer que c'est un processus en quatre étapes qui comprend le désaccord doctrinal lui-même, on part du principe qu'il y a déjà un désaccord, l'évaluation que nous faisons de notre interlocuteur, de notre adversaire théologique, qui va jouer un rôle très important dans la manière dont nous allons réagir, les émotions que cela va produire, et en fonction de ces émotions, les actions qui en découlent, qui vont être plus ou moins constructives. Le désaccord doctrinal est plus ou moins important, selon qu'il touche des questions essentielles ou secondaires, voire tertiaires. L'évaluation que nous faisons de notre interlocuteur peut être juste ou fausse, positive ou négative, mesurée ou excessive, à la lumière de l'Évangile ou sans la lumière de l'Évangile, elle détermine ce que nous ressentons à son égard, de la haine parfois, de la colère souvent, du mépris, de la pitié, ou au contraire de l'affection et du respect. Puis nos émotions nous poussent à mener des actions positives ou négatives envers notre interlocuteur. Celles-ci peuvent aller de la recherche d'un compromis satisfaisant pour les deux parties à l'excommunication mutuelle. Alors, quelques exemples d'émotions liées à un désaccord
Et je pense qu'on a tous fait l'expérience à divers degrés de ces différentes émotions. Tout d'abord, la haine. Ce sera pour tout à l'heure. Lorsque le désaccord est important et que notre interlocuteur se montre particulièrement désagréable à notre égard, ce qui peut arriver, nous pouvons évaluer son caractère de manière très négative. C'est un hérétique qui ne se laissera jamais convaincre. C'est peine perdue. L'émotion correspondante est souvent la haine qui nous pousse à lui nuire, voire à l'éliminer physiquement. Bon, on en a rarement le pouvoir, mais plus souvent socialement, on va chercher à l'éliminer. Comme le dit Gavin Ortlund, un auteur qui a été cité hier par James Ely Hutchinson dans son livre sur les désaccords doctrinaux, malheureusement, c'est un article dans Christianity Today, la cancel culture est de plus en plus répandue, pas seulement dans le monde, hein, on a tendance à beaucoup taper sur le monde en raison de cette cancel culture, mais aussi dans l'Église. Nous, les chrétiens, nous sommes les premiers à tenter d'éliminer nos adversaires, à démolir les statues qui les représentent, à essayer d'éliminer leurs paroles, parce que nous avons un désaccord avec eux. Les désaccords sur Internet, en particulier, témoignent d'une mentalité très réactive et du type « tout ou rien ». Là, je continue à citer Ortlund. Qui réduit finalement l'autre personne à notre désaccord avec elle, même s'il s'agit d'un désaccord sur une question secondaire, voire tertiaire. Nous avons désespérément besoin de préserver et de cultiver notre capacité à dire « Je ne suis pas d'accord avec telle personne sur telle question, mais elle reste mon frère ou ma sœur en Christ. » Et notre désaccord s'inscrit dans ce contexte plus large. Je pense que c'est exactement ce que veut dire l'apôtre Paul au chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Bon, notre désaccord s'inscrit dans un cadre plus large qui intègre l'Évangile et le fait que Dieu nous a tous accueillis. Trop souvent, notre manière de gérer nos désaccords ne reflète que peu ou pas la conscience de l'unité et de l'amour qu'il devrait y avoir entre les chrétiens. Fin de citation. La haine envers nos adversaires théologiques est illégitime, puisque nous sommes appelés par l'Évangile à aimer même nos ennemis, combien plus nos frères et nos sœurs en la foi en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de passer sous silence nos désaccords, même secondaires, mais de les traiter d'une manière qui reflète l'amour et la bienveillance de Dieu. Ça rend les choses tellement plus agréables. Qu'y a-t-il de bienveillant à lancer sur les réseaux sociaux une punchline contre-culturelle sans la préparer ou la compléter par des propos plus nuancés? On va juste déclencher la foudre. Mais dans quel but? Est-ce que c'est un but d'édification? Tout ce qu'on réussit à produire, c'est un énième dialogue de sourds, comme on en voit tout le temps sur les réseaux sociaux, dont il est peu probable qu'il contribuera à éclairer les esprits, à manifester l'amour fraternel et à glorifier Dieu. Enfin, généralement, ce n'est pas comme ça que ça se termine. Après la haine, la colère. La colère est différente de la haine. C'est une réaction de protection face à un obstacle ou ce que nous considérons comme une injustice. Dans le cadre d'un désaccord doctrinal, il peut s'agir de la mauvaise foi de notre interlocuteur ou de la caricature qu'il fait de notre position, également appelée l'argument de l'homme de paille. Mais ça, ce n'est pas vraiment ma position. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ce n'est pas honnête de ta part. Et sa malhonnêteté intellectuelle nous met en colère. Et ça peut tout à fait se comprendre. Mais nous ne le considérons pas pour autant comme malveillant ou irrémédiablement endurci. On va juste essayer de rectifier les choses. La colère peut nous conduire à réagir de manière agressive ou constructive, selon l'usage que l'on fait de cette émotion que Dieu nous a donnée. Selon que nous nous en prenons ou pas au caractère de notre interlocuteur, ou simplement aux failles de son raisonnement. Ce sont deux choses différentes. Est-ce que je m'en prends à la personne ou est-ce que je m'en prends juste aux failles concrètes qui se trouvent dans son raisonnement, tout en restant bienveillant à son égard? Whitfield n'avait encore que 26 ans quand il a réagi, un avertissement pour les jeunes théologiens, quand il a réagi de manière virulente au sermon anti-calviniste de Wesley, Free Grace.
Il a même révélé au public une bizarrerie de Wesley que ce dernier lui avait partagée dans une correspondance privée. Quand les relations se dégradent entre deux personnes, tous les coups sont permis. Ça, on le voit en permanence aussi sur les réseaux sociaux. Tiens, je croyais que ça relevait du secret professionnel, de la confidentialité. Puis tout à coup, on fait remonter toutes ces choses parce que cela va servir notre combat contre le frère ou la sœur en Jésus-Christ. Alors, bien sûr, Wesley lui en a longtemps voulu pour cette histoire, mais ils ont fini par se réconcilier et par devenir de très bons amis, comme on le sait. Alors, cette petite chose que Wesley avait révélée, c'est qu'il tirait au sort pour savoir s'il devait publier un sermon. C'est pas bien humiliant, mais bon, à l'époque, hein, il semblerait que c'était quelque chose que Wesley aurait préféré ne pas porter à la connaissance du public. Bon, il faut dire que Whitfield, à l'époque, non seulement était jeune, immature et sans beaucoup de sagesse chrétienne, mais il traversait des circonstances difficiles et stressantes qui ont sans doute influencé son ton. Et lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un, ne sous-estimons pas l'influence des circonstances personnelles sur la réaction émotionnelle des personnes. Quand tout va bien dans ma vie, j'arrive assez facilement à contrôler mes émotions. Mais quand je vis des choses particulièrement difficiles, eh bien... c'est assez tentant de trouver un bouc émissaire. Hein. On fait tout cela et la personne, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il réagisse de manière aussi violente ? En fait, ce n'est pas toi le problème, c'est que j'ai d'autres problèmes derrière et que tu te trouves là au mauvais endroit, au mauvais moment, et donc je te tape dessus. Comme l'image des parents qui rentrent du travail et qui s'en prennent aux enfants alors que les pauvres enfants, ils n'y sont pour rien. Bon. Le sentiment de culpabilité, autre émotion qui joue un rôle dans la gestion de nos émotions, il peut arriver que nous nous rendions compte, c'est plus rare parce que nous sommes un peu orgueilleux, que c'est nous qui avons fait du tort à notre interlocuteur en caricaturant son point de vue ou en avançant un argument douteux qui servait notre cause. Si nous sommes humbles, cela produit en nous un sentiment constructif de culpabilité, mais qui va nous pousser à confesser à notre interlocuteur notre malhonnêteté intellectuelle. C'est très rare qu'on ait ce courage-là, hein, il faut le reconnaître. Si nous sommes orgueilleux, nous nous enfermons dans notre erreur de raisonnement et empêchons le débat d'avancer. La situation est bien bloquée. Alors, l'orgueil est généralement considéré comme une émotion négative, même si elle peut avoir un aspect positif, mais qui est plus difficile à percevoir, qui nous donne une perception biaisée de nous-mêmes et des autres, et qui va avoir pour conséquence d'accentuer les désaccords. Mettez deux personnes orgueilleuses ensemble avec un désaccord, c'est clair que vous n'arriverez à aucun chemin de conciliation. Ce n'est pas possible. C'est contraire à ce qu'il y a au plus profond d'eux-mêmes. Il renforce l'orgueil, notre tendance à donner la priorité aux preuves qui semblent confirmer notre point de vue et à minimiser les preuves discordantes. Ouh, je les écarte tout de suite parce que ça pourrait me déstabiliser. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est très connu des psychologues. Le biais de confirmation, il y en a de toutes sortes. Et souvent, on tombe dans ces biais de confirmation sans même s'en rendre compte. L'orgueil contribue à la polarisation des attitudes et au pourrissement du conflit. Rien à voir avec une analyse objective du conflit en question. C'est juste mes émotions, mon orgueil, qui me poussent dans une direction qui rend le conflit de plus en plus insoutenable. Il y a quand même aussi des émotions positives, comme l'espoir et l'amour, et je vais terminer avec cela. Si nous considérons notre interlocuteur comme étant de bonne foi, ou dans certains cas comme étant prisonnier des pièges du diable, alors nous nourrirons l'espoir d'une résolution et d'un respect mutuel, malgré la persistance d'une partie du désaccord. Je passe sur le verset de 2 Timothée. Et je continue avec l'amour. L'apôtre Paul exhorte les Colossiens à surmonter leurs désaccords en revêtant l'amour, qui est le lien de la perfection. Lorsqu'un membre de notre famille, selon la chair, relaye sur les réseaux sociaux un message qui nous dérange ou que nous trouvons tout à fait farfelu, ça vous est jamais arrivé, ça ? Non ? Ça arrive. Nous nous abstenons normalement de réagir en public, par affection et respect pour lui, surtout s'il s'agit d'un membre de notre famille plutôt âgé. Bon, voilà.
n'est pas aujourd'hui que je vais réussir à changer ses opinions. Ben, tout au plus, lui envoyons-nous un message privé pour lui faire part de notre étonnement. Mais même ça, souvent, on ne va même pas le faire. Pourquoi ne procédons-nous pas ainsi avec notre famille spirituelle sur les réseaux sociaux? Pourquoi nous arrive-t-il de lyncher publiquement nos contradicteurs, donnant au passage aux non-chrétiens une image très négative de l'Église? Ces derniers, les non-chrétiens, ne sont-ils pas en droit de douter de notre qualité de disciples du Christ, puisque nous avons tellement de mal à manifester notre amour les uns pour les autres, jusque sur les réseaux sociaux? Il y a donc un intérêt évident à agir sur nos émotions, notamment dans les étapes 2 et 3 du processus, c'est-à-dire l'évaluation que nous faisons de nos contradicteurs, et puis sur nos émotions elles-mêmes. On ne traite pas de la même manière un frère que Dieu a accueilli et un étranger. Si nous parvenons à modérer nos émotions, les actions qui en résulteront seront nécessairement plus constructives. Nous devrions chasser la haine de notre cœur parce que celle-ci attise les conflits et pousse au mensonge. Comme le dit le proverbe, la haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes. Celui qui dissimule de la haine dans son cœur a des lèvres menteuses. Mais ça déforme totalement le raisonnement. Si nous éprouvons de la colère, nous devrions veiller à ce qu'elle ne nous rende pas agressifs et que le soleil ne se couche pas sur elle, principe biblique. En effet, un homme en colère se laisse difficilement convaincre, même lorsqu'il a Dieu pour interlocuteur. On peut penser à Jonas qui était en colère contre Dieu, et même Dieu n'a pas réussi dans un premier temps à le convaincre de changer d'attitude. Un pasteur en particulier ne devrait jamais laisser sa colère faire obstacle à son ministère d'accompagnement, mais il devrait faire preuve en tout temps de patience, de bienveillance, dans l'espoir que Dieu va changer aussi le cœur de ceux qui sont tombés dans les pièges du diable. J'aime beaucoup cette citation de John Frame. Je pense qu'elle est là, voilà. « L'orgueil et l'auto-glorification, le manque d'amour et d'humilité, l'incapacité à comprendre le point de vue de l'autre partie et les discours acerbes sont quelques-uns des péchés qui menacent l'âme de ceux qui doivent prendre part à des controverses doctrinales. » Et je continue la citation. « Il y a des péchés et des dangers liés à l'orthodoxie que le monde voit avec plus de clarté que nous, les théologiens. Et dans de nombreux cas, le jugement de Dieu sur le défenseur orthodoxe de la foi peut être beaucoup plus sévère que son verdict sur l'âme égarée d'un hérétique. » Quel renversement de situation. Et il nous faut être, nous qui sommes orthodoxes a priori, eh bien il nous faut être très très attentifs à ne pas tomber dans ce travers qui est induit par notre orgueil spirituel, notre orgueil théologique qui guette à notre porte. Nous devrions faire confiance à la capacité du Saint-Esprit de changer les systèmes de pensée et être plein d'espoir en ce qui concerne la résolution des accords doctrinaux. Philippiens 3, les versets 15 et 16, « Nous tous qui sommes mûrs, » là il présume l'apôtre Paul que nous sommes mûrs, bon d'accord, merci, « adoptons cette attitude, et si vous êtes de notre avis sur un point, j'imagine un point secondaire ou tertiaire, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord sous le regard de Dieu et en manifestant chacun de la bienveillance à l'égard de l'autre. » Je conclus rapidement avec quelques recommandations pratiques tirées des différents points que j'ai abordés. Tout d'abord, ne considérons pas nos désaccords doctrinaux comme une malédiction, mais plutôt comme une occasion de glorifier Dieu, de manifester de l'amour envers notre prochain avec lequel nous sommes en désaccord, et de grandir au passage à la ressemblance du Christ, hein, parce qu'on apprend beaucoup à travers les conflits auxquels on est confronté. Prenons en compte notre part de subjectivité, de faillibilité dans le développement de nos certitudes, de manière à nous montrer un peu plus flexibles sur les questions secondaires et tertiaires que l'adage latin qualifie de douteuse, pas seulement secondaire, mais plutôt douteuse. Ça veut dire qu'il y a toujours un doute par rapport à ces doctrines. Et j'ai toujours été étonné de voir certaines personnes qui sont tellement dogmatiques sur des questions qu'il est difficile à prouver de manière biblique. Méfions-nous de nos intuitions que nous avons tendance à confirmer de manière biaisée. Sur les réseaux sociaux, ne réagissons pas sur le coup de la colère, mais laissons un peu décanter « Ah, je sais, c'est difficile !»
surtout si vous êtes un extraverti, c'est un peu plus facile pour les introvertis, mais même pour les introvertis, c'est un peu compliqué. Et assurons-nous que nos paroles sur les réseaux sociaux, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Là, vous avez déjà éliminé 95% de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Évitons les punchlines contre-culturelles hors sol qui ne peuvent que déclencher des dialogues de sourds et décrédibiliser l'Église. C'est la page suivante. Aux yeux des observateurs non chrétiens, souvent on oublie qu'on est observé, on nous observe. Et nous, entre chrétiens, on est en train de se taper dessus. Sortons de nos ruches virtuelles qui nous enferment, réduisent notre champ de vision et nous rendent sourds aux opinions contraires. Essayons de nous mettre à la place de notre interlocuteur. C'est un très bon exercice que les psychologues font faire aux personnes en conflit. Intéressons-nous à son histoire personnelle, aux circonstances qu'il traverse et qui peuvent expliquer aussi son comportement, aux diverses influences qu'il a subies, aux grâces auxquelles peut-être il n'a pas eu accès, contrairement à moi, qui suis quand même un privilégié, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je suis un super pasteur qui prêche fidèlement l'Évangile. Cela nous rendra probablement plus compatissants à son égard. Et dans tous nos désaccords, c'est sans doute le plus important, revêtons-nous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et si on observe tout simplement ce principe biblique, je crois qu'on aura beaucoup plus de facilité à ne pas faire de nos émotions une cause de dégradation de nos relations avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ et plus largement avec toutes les personnes avec lesquelles nous sommes amenés à discuter. Je vous remercie pour votre attention. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation, et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.